We were gonna tear it all down. The Institute, Providence, everyone who'd ever hurt us. We failed. The partners grew paranoid, made sure that Ortmeier's children would never challenge them again. I'm the only one who got away unchanged. The only one left who remembers. Ortmeier was Providence. Everything he did to us, everything he made us do, it all leads back to that. I'm breaking more rules than I care to count, Mr. Gray. What's your play? The partners hide behind a cloak of anonymity. Only one man knows their true identities. Your client, the top controller, the one they call the Constant. He is the key. But he is untraceable. So what am I missing? A man would come to the Institute. A man with a Providence pin. The first Constant. If we find him, if he's still alive, he's our way in. You don't know who he is, but 47 does. That's what this reunion is all about. Show them. You're just gonna hand it over. Our one bargaining chip. Olivia. Fine. 47's memory was erased, irreversibly at the time. But after Ortmeier's death, his estate was acquired by the Aether Corporation. And they made an antidote. It's a long shot, I know. This is not how it works. We don't just join the revolution. ICA is neutral. We don't take sides. I hate to break it to you, lady, but neutrality is a side. It's the side of the status quo. People have died. Civilians. You align yourself with terrorists, murderers. Sometimes even monsters serve a purpose. Look. Enough. You have a choice. But I made mine a long time ago. I will finish what I started. Subject 47, most gifted of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident. The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As were all the neighbors. My men did what needed to be done. It won't happen again. Bring your house in order, Doctor. You won't like the alternative. I remember who he is. Salut à tous les amis, c'est Captain Price Nawak, comment allez-vous? Alors je vous ai mis la petite cinématique puisqu'on l'avait pas vu la dernière fois, sinon l'épisode aurait été trop long. On se retrouve donc pour le 7ème je crois épisode de Hitman 2. Et la dernière fois c'était occupé de la chasse aux fantômes. On avait vu la cinématique retour à la maison et là on vient de voir Paris risqué. On va passer à la nouvelle mission, une autre vie. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ici? Il va falloir assassiner Janus et Nolan Cassidy. Trouver des indices à la crique de Whittleton pour en apprendre davantage sur le lien entre Janus et Providence. Voilà. Alors, préparation. Comme d'habitude, ici, je vais changer la corde à piano pour mettre le crochet, qui est beaucoup plus utile. Est-ce que je peux planquer des objets? Alors, abri de la rivière, je pourrais planquer des choses. Le banc aussi, planque secrète du parc et aller Aircross. Ok.
Alors, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait planquer? Je sais pas ce qui pourrait être très utile. Leurre, poison, explosif. Alors, onde de choc, déclenchement de proximité, explosif télécommandé de l'ICA, micro à déclenchement de proximité, grenade à fragmentation. Alors peut-être qu'on va partir sur celui-là. On va le planquer là, voilà. Comme ça, si on en a besoin, on sait que aller Air Cross, dans la boîte aux lettres, on a un explosif à récupérer au cas où, si on en a besoin. Allez, c'est parti. Toujours en niveau recrue et on y va. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees, and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Il passe pas du tout inaperçu, lui. Hein. Il a le code barre sur la nuque, il est habillé tout en noir. Tronche qu'il a. Alors, trouver des indices, éliminer Nolan Cassidy. Alors, on va prendre les. On va regarder un petit peu les intrigues qu'on a, qu'on nous propose d'entrée de jeu. Alors, Phil d'Ariane. Un procès entre Janus et un autre habitant du quartier serait un bon point de départ pour vous renseigner sur la vie de Janus. Alors, celui-là, je l'avais fait, déjà. Je les avais presque tous fait, en plus. Lutte antiparasitaire, donc il y a ça. Qui vit médicinalement. Et Tap Top, ça, je le connais pas. L'un des jardiniers de Janus a décidé de se débarrasser de Galerie de Top. Ah ouais, avec aux explosifs. Donc là, l'explosif pourrait nous servir. Ah, la police locale a confisqué son matériel. S'il pouvait mettre la main dessus, 47, vous aurez un moyen tout trouver de vous débarrasser de Janus. Ok. Allez, pourquoi pas, on va faire ça. Déguisez-vous en jardinier. 47. I've marked your map with several points of interest. We're running this mission with very little upfront intel. But these locations could provide clues to help you obtain the information you need. Ok. Alors. Lui s'endormit. One of Janus's gardeners has decided to clear a series of mole tunnels using explosives. I applaud his enthusiasm, but sadly, local police have confiscated his equipment. If you were to find it, 47, it might be the perfect way to rid the world of Janus. Voilà, donc c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. La police a confisqué son matériel. Déguisez-vous en jardinier. Comment est-ce que je vais faire pour choper son déguisement à lui? Stuff the holes, and then
Il va falloir attendre que lui se casse. Ah, il est là, Aircross. Juste en face. Ok, alors, lui, il est là. Le flic, il est là. Il y a le facteur qui passe. Alors, lui, si je le tue, où est-ce que je vais mettre son cadavre ? Quoi, tu vas me dire que si là je l'assassine, personne ne va me voir? Wow. What was that noise? Ouais, va voir. Voilà, alors. Voilà pour le déguisement. Et son corps est caché. Trouver un explosif dans la réserve. Est-ce que cet explosif-là pourrait pas faire l'affaire? Ah non! Ah, ça a pas marché, ça m'a pas mis. Bon. Allez, on va aller voir dans la réserve ce qu'on peut trouver. Ok, ça va. Comment est-ce que je fais pour aller prendre? Donc il va falloir que j'attende que lui se tourne là. Alors faire gaffe qu'il rentre pas dans mon cercle blanc, parce que sinon il peut me voir. Alors je suis plus caché là. J'ai un déguisement de policier juste à côté. Ouais, mais bon, là, ça m'intéresse pas trop. Infiltrer le jardin de Janus. Allez, monsieur. Dégage. What? Bon, allez. Sinon, demain, on est encore là. Alors. Ah ok, lui là-bas, il peut me voir. Demander des instructions aux gardes. Ouais, mais bon, il faudrait que lui, il dégage. Ça serait bien.
allez, dégage. Voilà. Hein? Ok. I understand you have a mole problem. Oh, you're a godsend. Let's get straight to it. The sooner this is fixed, the sooner I won't have to listen to Mr. Janus's complaints. Follow me. As you can see, we have a mole issue. Now, I know a permanent solution might take some time, but if you could just fill the holes by the end of the day, it'd be great. Come find me when you're done. Ok, boucher 5 trous de top. Où est-ce qu'ils sont les trous de top? Ah, je suis obligé de mettre un truc? Ah! Donc à chaque fois, en fait, il va falloir que j'aille chercher. Il va falloir que je vois que j'aille chercher des explosifs. On va pas s'en sortir comme ça. I'm really sorry, sir. Unfortunately, I'm not allowed to let you pass. Orders, you know. Asshole. You'll never come through here as long as I'm alive. Now get the fuck out of my face. As I said, I'm really sorry. Ah, mais il y en a plus. Donc je dois boucher avec tout et n'importe quoi, en fait. Mais il a rien d'autre à faire, lui. Je sais pas si le journal ça peut fonctionner. Mais c'est débile parce que si j'ai pas si j'ai pas des explosifs à chaque fois, comment est-ce que je vais pouvoir le faire exploser? Bon, après, je peux aussi laisser tomber cette opportunité en particulier. Boucher 3 top. Trou de top supplémentaire. Je dois faire attention à lui là-bas. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une clé anglaise. Ça peut toujours être utile. Et c'est tout? Oh merde. Là, j'ai pas moyen d'entrer dans la maison. Ah si. Oh oh.
Oh, il y a rien d'autre ici? Ok. Donc lui s'en va. Bon, je vais mettre le tournevis pour boucher l'autre dernier trou. Enfin, pas le dernier, là. Donc il reste celui-là et je sais pas. Ah. Janus. Cold War Spy Master and the first Providence Constant. I wonder how much he remembers. How little he cares. Donc dès qu'il va là, il faut que je le fasse exploser. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Il veut pas se pousser. Allez, boucher le dernier trou de top. Mais il est où? Celui-là c'est fait, celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là aussi, celui-là aussi. Ah non, celui-là non. Ah, qu'est-ce que je pourrais mettre là? Oh là là. Allez, je vais mettre la clé anglaise. I'm done. Great. Let me have a quick look. A bit unorthodox maybe, but you got the job done. And get Mr. Janus, as he expected for himself. Hey, tell Mr. Janus the molehill's in. All right. Janus should be here to inspect the work soon, 47. Just to warn you, I'm sure this whole inspection is going to remind Janus about something exciting in his past. I'm sure that he's going to tell us all about it. Just play along. Better yet, keep your distance. Alors, joue le jeu ou garde tes distances. Moi, je vais garder mes distances et puis, dès qu'il s'approchera là-bas, je ferai exploser et je me casserai. D'ailleurs, je vais peut-être même me casser tout de suite. C'est-à-dire me mettre là. Alors il est où? Oh là là! En fait, je vais pas me casser, mais je vais fouiller sa maison. Hein. Alors peut-être aussi que je pourrais juste me mettre là. Gardens is available in
Allez, vas-y, va voir le premier où j'ai mis l'explosif, s'il te plaît, monsieur. Death feels like an easy way out for a man like him. Still. Allez, on va attendre. Close now, 47. J'espère qu'ils vont pas me trouver. Lui, il s'en fout, il a rien calé. Ok. Je sais pas s'ils peuvent venir là. Je sais pas pourquoi ça sonne. Je vais attendre qu'ils se calment. Logiquement, il me cherche pas avec ce déguisement que je viens de mettre maintenant, hein, mais... Ouais, ça devrait bientôt se calmer. Je pense que ça s'est calmé là, oui, voilà. Voilà, alors. Ici j'ai rien, c'est quoi ça? Ok, ouvrir la porte du garage. Je sais pas pourquoi je me suis caché. Un réflexe. Voilà, bon allez, on va fouiller sa maison. On va aller voir les centres d'intérêt que nous a marqué Burnwood. Voilà, il n'y a personne qui peut me repérer ici. Alors je crois que dans sa maison, il n'y a rien de particulier en fait. Hein, mais... Ah. C'est quoi ça? Non, c'est camouflé en garde du corps, ok. Alors est-ce qu'à l'étage, il y a des gens qui peuvent me repérer comme ça? Non. Ah. One of Janus's old microfilms. It might contain important information. On a trouvé un microfilm. All you need now is to find a device to read it on. Ah, dans sa chambre. Remplacer le paquet de cigarettes, bon c'est pas la peine. Empoisonner le masque. Activer radio. Oh, y a rien d'autre ici? Activer gramophone.
Ah, il y a un truc là. Alors moi j'étais déjà venue déjà avant ici, mais ah, de la morora, allez on prend. Ça peut toujours servir. Bon, y a rien. Allez, je récupère une clé anglaise. Ah, ça veut pas. Allez. Hey. J'ai fait le tour de toute la baraque. Eh oui. Looking sharp. Oui, j'ai fait le tour. Allez, on va aller voir les centres. Voir les centres d'un. Oh punaise. J'arrive pas à parler. Examiner le microfilm, mais je sais. Alors la maison d'à côté. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici? Un coupe-papier, pourquoi pas. C'est tout. Donc, c'est trouver la robe. Alors, est-ce qu'ils sont en train de venir là ou pas? Non. Ce crochet, il est vraiment très utile. Hein. Elle est là. Robe de l'arche. Ah, mais je vais pas me déguiser en fait. A ceremonial robe of some sort. The note from Janus attached. The note is interesting. Janus has asked Helen to do a few repairs on the robe before he leaves for his annual trip. He even put a date there. This is valuable information, 47. Voilà. On va pas mettre la robe de l'arche, je vois pas à quoi ça me pourrait me servir.
Est-ce que j'ai tout fouillé ici? Oui. Sinister-looking basement. What could she be doing down here? Ok, j'ai obtenu une clé. Des pilules mortelles, des pilules vomitives. Ça peut toujours être utile, je sais pas à quoi encore, mais on va voir. Personne ici qui pourrait me voir. Voilà, je suis plus en intrusion. Ensuite, on va aller voir les deux autres points d'intérêt. Et on va pas tarder aussi à se laisser là, hein, parce que l'épisode fait presque 40 minutes. Alors peut-être qu'avant d'aller voir le second point d'intérêt, on va se laisser. Ah, c'est juste là. Alors peut-être qu'il faut juste que j'écoute ce qu'ils disent. Révélation, information importante. Diary. He's one of the security people working over at that old Russian guy's house. That's got to be something from the old man's archives. If that's one of Janus's diaries, it might contain some important information about his past. Our past. Or maybe something that can help us locate the constant. Alors. Il y en a un là. Ok. Mais. Got some strange noises here. Looking into it. Over. Yes. What? Allez. Was that it? Fais pas chier, monsieur, viens là. Putain. Ah, je pourrais le cacher là après. Bon, eux ils sont occupés, mais ils sont au milieu. Alors, je pense qu'on va se laisser là parce que ça va prendre du temps d'essayer de trouver.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On se retrouve dans le prochain épisode pour la suite. On se retrouvera là, exactement là. Bon, je vais sortir de là quand même. Merci à vous. C'était Captain Price Nawak. Prenez soin de vous. À bientôt et salut.